Le public de Briançon s'apprête une nouvelle fois à vibrer pour la finale d'une compétition. En effet, c'est la 7e participation des Diables Rouges à une finale, Coupe de France et Coupe de la Ligue confondues depuis 2005. Seul petit problème, Dame Coupe ne semble pas vraiment séduire les hockeyeurs aux Alpins. Une seule victoire au compteur, c'était en Coupe de France en 2010 sur la glace de Bercy. Mais surtout, c'est la patinoire de Méribel qui semble porter malheur aux Briançonnais. Avec 3 finales de Coupe de la Ligue jouées et 3 perdues, toutes sur le même score après prolongation 4-3. De drôles de souvenirs pour l'un des anciens de l'équipe. Bah, de finale juste à Méribel, ça va être ma 6e, je pense. Toutes perdues, hein ? Toutes perdues, malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'on va dire, là ? Ah, je sais pas, j'espère que ça va changer. Souhaitez-moi bonne chance. Et depuis l'an dernier, en effet, beaucoup de choses ont changé à Briançon, notamment du côté de l'effectif. Cette fois-ci, peu de joueurs devraient souffrir du syndrome de Méribel. Cette année, il y a moitié d'équipe qui sont nouveaux joueurs. On est tous commencés à zéro, c'est pas même mentalité. Puis, je pense qu'on garde juste ce match comme tous les matchs. Hein. On ne veut pas trop penser à ça parce qu'on sait que dans le passé, on a eu beaucoup trop de préparation. On est dans la tête, on a pensé beaucoup à ça. Puis je pense que garder ça plus impossible, c'est mieux. La grande nouveauté cette année, c'est surtout l'adversaire. Briançon sera pour la première fois opposé en finale de coupe à l'équipe de Morzine-Avoriaz. C'est un effectif de très, très grande qualité. C'est une équipe qui a un style qui contraste beaucoup avec le nôtre parce que on leur concède au moins 5-6 ans en moyenne d'âge. Ça va être la vitesse, la jeunesse contre l'expérience et la technique. Coup d'envoi de cette rencontre ce soir à 20h sur la patinoire de Méribel avec, on l'espère, au bout de la nuit, un nouveau trophée pour les Diables Rouges.